Bonjour les élèves. Dans le cadre de la séquence de soutien du troisième module, le chevalier double, cette activité a pour objectif de pallier les difficultés de rédaction d'un récit fantastique, surtout celles qui sont liées à la rédaction ou bien à l'écriture du début de ce récit, c'est-à-dire la situation initiale. On va essayer de voir et de pallier les difficultés qui s'opposent au niveau de la rédaction ou bien de l'écriture de la situation initiale d'un récit fantastique. Alors, la situation initiale d'un récit fantastique répond aux questions suivantes. La première question, qui? Il renvoie au personnage principal du récit. Où? Le lieu de l'action. Quand? Le temps de l'action. Quand se passe cette action? À quelle période? À quelle époque? Quoi? Ce que le personnage principal fait au début de l'action, c'est-à-dire les activités quotidiennes ou bien ordinaires du personnage principal au début du récit. Commençons par qui? Il s'agit de présenter le personnage principal et d'établir son portrait. Le personnage principal peut être le jeu, c'est-à-dire le narrateur. C'est le cas où le narrateur est lui-même le personnage principal. Un être normal, un homme, une femme, un garçon, une fille. Un être extraordinaire, exemple, un géant. Un être mi-humain, mi-animal. Une créature dotée de pouvoirs magiques. Ou un animal. Ensuite, où? Il s'agit du lieu où évolue le personnage au début de l'histoire. Exemple, un château, un pays lointain, une autre planète, sur une colline ou autre. Quand? C'est le temps de l'histoire. Il peut être précis ou indéterminé. Exemple, il était une fois, depuis plusieurs années, ça ce sont des indicateurs de temps indéterminés, comme ça peut être une date, un moment de l'histoire, ou bien lié à un événement passé. Là, passons à quoi? C'est ce que le personnage principal fait au début de l'histoire. Puisqu'il s'agit de la situation initiale, on parle généralement d'une stabilité et du calme. Donc c'est le début de l'histoire. Donc ce sont les activités ordinaires et quotidiennes du personnage principal. Pour les temps verbaux, dans la situation initiale d'un récit fantastique, on utilise les temps du récit, notamment l'imparfait, pour faire la description, que ce soit des personnages ou bien des lieux, et le présent de narration pour donner aux événements un sens d'actualité. Exemple, là c'est le début de la légende de l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plant d'olivier. Seulement sa grosse tête l'entraînait toujours. Et c'était pitié de le voir se cogner à tous les meubles en marchant. Il tombait souvent. Un jour, il roula du haut d'un perron et vint donner du front contre un degré de marbre, où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort. Mais, en le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure, avec deux ou trois gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blancs. C'est ainsi que les parents apprirent que l'enfant avait une cervelle en or. Là, il s'agit, comme je disais, du début de cette légende. On a la présentation du personnage principal qui est un homme qui avait une cervelle d'or.
Pour le temps, il était une fois, donc c'est un temps indéterminé dans le passé. Pour les indications du lieu, elles sont moins précises en comparaison avec le personnage ou bien le temps, mais elles vont se préciser bien sûr par la suite ou bien dans la suite de l'histoire. Passons maintenant à un exercice. Alors, à partir des éléments suivants, vous constituez le début d'un récit fantastique. C'est-à-dire, vous allez rédiger le début d'un récit fantastique ayant pour personnage principal une chèvre qui parle. Le lieu, c'est-à-dire l'histoire ou bien le récit se passe dans la forêt. Pour le temps, il y a des milliers d'années. Et pour l'action principale, c'est-à-dire du début du récit, la chèvre a rencontré un berger. Donc on a les éléments principaux pour constituer le début d'un récit fantastique que vous allez combiner et compléter pour rédiger ce début. Alors je vous laisse le temps de rédiger votre début d'histoire et après on passera à la correction, bien sûr, on verra un exemple d'une rédaction. Comme correction, je vous propose le texte suivant comme étant le début d'une histoire en prenant en considération les éléments qu'on venait de voir. Il y a des milliers d'années, une chèvre vivait dans la forêt. Cette chèvre n'est pas comme les autres, elle est capable de parler et de comprendre les paroles des humains. Elle avait rencontré un berger qui l'a prise comme amie et confidente. Là, vous avez l'indicateur du temps, il y a des milliers d'années. On a le personnage principal qui est une chèvre. Et on a la forêt comme étant le lieu de l'action. Pour ce que faisait ce personnage principal au début de cette histoire, elle a d'abord la particularité de comprendre les paroles des humains, comme description ou bien comme particularité de ce personnage. Et elle avait rencontré un berger avec qui il s'est lié de relations d'amitié. Donc ce sont des actions ordinaires, donc c'est la situation calme et stable comme début de cette histoire. Sur ce, je vous remercie et à bientôt.